Bonjour, merci de rejoindre le lancement du volet éducatif de la saison Africa 2020. Cette saison célèbre l'Afrique dans toute sa diversité. À saison exceptionnelle, nous avons choisi de vous présenter l'investissement exceptionnel du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Avant l'ouverture solennelle par Monsieur le ministre, nous avons souhaité vous montrer un exemple concret de l'un des 274 projets pédagogiques qui sont menés par nos écoles à l'occasion de la saison Africa 2020. Voici donc un projet co-construit entre une école de l'Académie de Lyon et une école au Burkina Faso. Vous m'entendez, Abdoulaye ? On n'entend jamais. Bonjour à tous. Bonjour aux enfants qui sont derrière. Très content donc de pouvoir démarrer avec vous un nouveau projet. On a fait le constat qu'il y avait beaucoup de sachets dans les rues à Chaponneau et on s'est rendu compte que c'était très majoritairement des plastiques. À Gomzou aussi, on a également un gros problème de sachets, de déchets plastiques. Les déchets plastiques constituent un danger pour notre environnement, pour l'humanité. Et nous, on s'était dit qu'à travers les élèves, on pouvait faire passer le message sur la lutte contre les déchets plastiques dans nos communautés, dans nos familles. Le maître m'a dit que le sachet détruit la nature.
Chez nous, on a la chance. On a plein de poubelles, on fait du tri. Et après, on a des camions qui passent devant notre porte. C'est extraordinaire. Et qui ramassent nos poubelles. À Gomoussougou, il n'y a pas de ramassage des poubelles. Il n'y a pas de tri. Les déchets, souvent, sont jetés sur le sol. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis pratiquement bien. Bien, bonjour à tous. Si vous m'entendez, levez le pouce. On vous entend. D'accord. Je suis très heureux aujourd'hui de lancer la saison Africa 2020 pour le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. C'est évidemment un moment extrêmement important pour nous parce que cela constitue l'aboutissement de tout un travail depuis plus d'un an avec les acteurs de l'école et avec nos partenaires. Et puis parce que ces partenaires, je pense à l'Institut français, au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, au ministère de la Culture, et à tous les acteurs en France et en Afrique qui sont mobilisés, eh bien tous ces acteurs ont été évidemment très à la fois motivés et mobilisés pour la promotion de cette saison Africa 2020. Notre objectif, c'est, vous le savez bien, de montrer toute la richesse du continent africain, tout le potentiel éducatif, le potentiel humain, avec la richesse que cela représente pour les élèves, pour les jeunes, le dynamisme scientifique, intellectuel, économique, artistique, culturel. Et donc cet objectif va de pair avec notre volonté de mieux enseigner l'Afrique aussi dans toutes les disciplines au sein de notre école de la République. C'est pourquoi cette ambition qui avait été formulée par le président de la République lors de son grand discours à Ouagadougou en décembre 2017, et j'étais avec lui à ce moment-là pour justement accompagner la dimension éducative de ce qu'il avait à dire à la jeunesse africaine et à la jeunesse française, eh bien cette ambition consistait à inviter à construire de nouveaux liens d'amitié, de nouveaux liens qui nous permettent de parler du présent et de l'avenir, tout en travaillant à nos racines communes, à tout ce qui fait notre trajectoire commune et nous permet de nous projeter dans une logique du 21e siècle vers la modernité, tout en étant fidèles à ce qui constitue nos liens. La saison Africa 2020 est résolument tournée vers la jeunesse et vers sa formation. Pour l'éducation nationale, elle est l'occasion de proposer d'ici à juillet 2021 1001 projets autour de l'Afrique, de ses différents pays, de ses différentes cultures. Alors si on regarde maintenant ce qu'est cette saison concrètement, il y a d'abord un appel à projet national avec, dès la fin 2019, le fait que nous avons mobilisé les académies pour participer à un appel à projet national dont l'objectif était de construire des projets pédagogiques autour de l'Afrique en coopération avec des établissements africains ou avec des personnalités africaines. Finalement, 274 projets d'écoles, de collèges, de lycées généraux, technologiques ou professionnels ont été labellisés partout en France métropolitaine et ultramarine. Et je pense qu'il y en a qui nous regardent et je veux déjà les féliciter. Ces projets ont donné lieu et donneront lieu tout au long de la saison à des productions pédagogiques remarquables, souvent très originales, des expositions physiques ou numériques, des installations artistiques, des productions scientifiques ou technologiques, par exemple le simulateur de vol réalisé par les élèves de Toulouse et du Sénégal, je pense aussi au projet de l'Académie de Toulouse avec différentes institutions scientifiques de Toulouse pour tourner un film au Gabon sur bien les enjeux du développement durable. Je prends les exemples de Toulouse, mais on pourrait en prendre dans toute la France. Tous ces projets ont vocation à enrichir les connaissances des élèves avec, au-delà de l'histoire, l'étude des problématiques contemporaines qui sont partagées entre l'Afrique et la France, le développement durable, les nouvelles technologies, la circulation des hommes et des idées, etc. Au-delà des enjeux de savoir qui sont évidemment essentiels, nous devons permettre aux élèves de se nourrir de partage, de rencontres, de respect d'autrui.
Et donc, tout cela conduit aussi à développer des ressources pédagogiques. Et c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. Puisque la saison Africa 2020 pour notre ministère, c'est la construction aussi d'un ensemble de formations et d'un ensemble de ressources pérennes qui iront évidemment au-delà de l'année actuelle pour accompagner la communauté éducative. Donc cela signifie une formation nationale et des formations académiques dans chaque académie pour que tout ceci se déploie au cours du premier semestre dans lequel nous sommes. Des ressources pédagogiques qui sont proposées par le réseau Canopée et la DGESCO et qui sont déjà disponibles sur le site du ministère. J'insiste évidemment sur le fait qu'à partir du moment où on les met en ligne ainsi, elles sont disponibles pour le public français, mais d'une façon générale pour le public africain et pour le public mondial. Et puis, il y aura aussi la publication en ligne de fiches pédagogiques qui ont été réalisées à partir de différents volumes de l'histoire générale de l'Afrique, produites par les équipes de chercheurs et de spécialistes dans le cadre de la mission de l'UNESCO. La connaissance contemporaine de l'Afrique passe par des sources scientifiques incontestables. Au-delà de tous les enjeux idéologiques ou partisans, l'objectivation scientifique est fondamentale. C'est vrai évidemment dans les sciences dures, c'est vrai aussi dans les sciences humaines. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, avec la commissaire générale de la saison Africa 2020, de mettre à disposition de tels ouvrages sous forme didactique. Je voudrais remercier aussi Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO, de nous avoir permis de diffuser largement cet outil majeur de connaissances à l'ensemble des équipes éducatives francophones. Il y a évidemment un enjeu de francophonie évident, au-delà même de la France et au-delà de l'Afrique, avec tout ce que nous sommes en train de faire. Je pense à nos amis francophones des Amériques et d'Asie, qui sont évidemment à impliquer autant que possible dans ces enjeux de la saison Africa 2020. Il y a aussi des grands rendez-vous pédagogiques qui rythmeront la saison Africa 2020 dans toutes les académies. Cela portera notamment sur le temps scolaire, le temps périscolaire, mais aussi le sport. N'oublions pas que nous sommes maintenant, et je l'espère pour bien longtemps, un ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et que donc cela nous permet d'avoir la vision ample des sujets. Je pense par exemple au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand, au Festival de bande dessinée de Lyon, et bien d'autres événements culturels et sportifs qui vont inclure les enjeux de la saison Africa 2020. Enfin, en troisième lieu, je voudrais parler de l'éducation aux médias et de l'éducation à l'information. Nous avons voulu croiser la saison Africa 2020 avec cet enjeu-là, car parler de l'Afrique contemporaine, c'est nécessairement s'appuyer sur les médias, avec un dynamisme des médias africains qui n'échappe à personne. Nous avons ainsi créé avec Cartooning for Peace une exposition numérique autour du dessin de presse africain. Il y a aussi un numéro spécial du journal Jeunesse, Un jour, une actu consacrée à l'Afrique d'aujourd'hui. Cela a été réalisé en partenariat avec les éditions Milan Presse et s'est distribué justement cette semaine à tous les élèves de CM2 de France. Donc nous voyons avec ces trois enjeux que nous avons une vision ample et forte et ambitieuse de ce que Africa 2020 peut représenter pour l'éducation. Je voudrais donc remercier tous ceux qui ont permis et permettront cela, parce que ce n'était pas gagné de réussir à maintenir cette saison du fait du contexte sanitaire. Eh bien, en dépit des contraintes, et même s'il n'y avait pas ce contexte sanitaire, aujourd'hui je serais devant vous physiquement pour vous voir et échanger sur cela, eh bien nous réussissons quand même, comme nous le voyons aujourd'hui, à avancer. Et si nous l'avons réussi, c'est grâce à l'engagement de plusieurs centaines de personnes mobilisées en France, en Afrique et même ailleurs. Donc d'abord, tous les professeurs, les équipes éducatives qui se sont emparées de cette saison pour monter les projets avec leurs élèves. Ensuite, l'ensemble des comités académiques de la saison Africa 2020. Les 30 comités qui ont œuvré sous la responsabilité des recteurs et qui donc ont diffusé l'esprit de la saison dans les établissements scolaires et auprès des équipes éducatives. Et puis je salue également les acteurs africains de cette dynamique scolaire, les professeurs, les artistes, les personnalités de la société civile, de même que les ambassadrices qui vont témoigner dans un instant et que je remercie également. Et puis je voudrais saluer aussi les 11 jeunes des missions de service civique issus de 11 pays d'Afrique qui participent à l'animation de cette saison dans les centres culturels. Merci aussi aux acteurs du réseau d'enseignement du français en Afrique qui sont très impliqués dans la saison.
Et puis, bien sûr, merci à l'administration au niveau central comme au niveau déconcentré dans les rectorats, puisque le pôle Africa 2020 dédié qui accompagne depuis le début tous les acteurs de cette saison leur doit beaucoup. Enfin, bien sûr, je veux remercier Ngoné Fall, commissaire général de la saison Africa 2020, qui a été à mes côtés et depuis le début pour construire le volet éducation de la saison Africa 2020. Et c'est vraiment indispensable de pouvoir continuer, de pouvoir compter sur son appui. Et ça a été largement le cas. Elle, je crois, va s'adresser à nous dans un instant. Et en tout cas, merci à elle très fortement. Et nous allons maintenant entendre le témoignage d'une de nos ambassadrices de la saison, Jaïli Amadou Amal, qui est le prix Goncourt lycéen 2020 pour son livre Les Impatientes. J'ai eu l'occasion de la saluer quand elle a eu le prix. J'étais vraiment très heureux qu'elle le gagne. J'aime beaucoup et le livre et la personnalité de Jaïli Amadou Amal. Je suis donc très heureux qu'elle soit une de nos ambassadrices et qu'elle ait accepté. C'est une personnalité remarquable pour faire rayonner la francophonie et sensibiliser les élèves à des sujets importants. Donc, je la remercie, comme je vous remercie tous. Et je nous dis à tous, belle saison Africa 2020. Je suis très optimiste quant à sa réussite. Merci à tous. Je m'appelle Jaïli Amadou Amal, je suis écrivaine camerounaise. J'ai été agréablement surprise par l'accueil des lycéens, d'autant plus que c'est un sujet quand même assez difficile puisqu'il parle de la condition des femmes dans le Sahel, mais surtout il parle de la violence conjugale, des violences faites aux femmes tout court, qui est un sujet universel. Que des jeunes puissent s'intéresser à un sujet aussi grave, pour moi c'est une agréable surprise et puis c'est de l'espoir pour l'avenir. L'Afrique, c'est tout simplement pour moi le continent de l'avenir. C'est un continent très très jeune, un continent avec d'énormes ressources, un continent où de plus en plus on a accès à l'éducation, on a accès au développement. Dans un avenir que j'espère très très proche, l'Afrique sera un continent où tout le monde aura envie de venir et de vivre. La littérature, c'est un pont, en fait. Pour moi, c'est ça. La littérature, c'est une ouverture sur le monde. La littérature permet de se rapprocher, permet de se comprendre, permet tout simplement de pouvoir s'accepter les uns et les autres. Pour moi, la littérature, c'est le meilleur condiment pour le vivre ensemble, tout simplement. Pour moi, l'objectif premier de la saison Africa 2020, c'est tout simplement de montrer toutes les beautés de l'Afrique. C'est tout simplement de promouvoir la culture africaine, de montrer tout ce que nous avons de beau sur le continent africain. C'est de permettre aux jeunes Français de s'ouvrir sur l'Afrique, de comprendre tout ce qui fait notre beauté, de comprendre notre climat, notre environnement, nos traditions, notre patrimoine, etc. Et puis, pour moi, ça permettrait aussi tout simplement de pouvoir se rapprocher, de créer un pont, un lien entre la France et l'Afrique, tout simplement. Chez nous en Afrique, on dit que la jeunesse représente l'avenir. La jeunesse représente le futur. La jeunesse représente l'espoir. Et les femmes sont celles qui éduquent. Les femmes sont celles qui portent le monde. Les femmes sont celles qui mettent au monde les enfants. Pour moi, ça me touche particulièrement que cette saison soit dédiée aux femmes et aux jeunes, parce que l'avenir appartient aux jeunes d'abord et évidemment à celles qui les mettent au monde. C'est tout simplement le message de l'espoir. Ouvrez grandes vos oreilles, ouvrez bien vos yeux et découvrez enfin ce que c'est que l'Afrique. Nous remercions Jaïli Amadou Amal pour ce beau témoignage. Cette saison est l'occasion, comme l'a rappelé Monsieur le Ministre, d'appréhender l'Afrique de la réussite et de l'avenir. Il faut pour cela, dans le cadre des programmes, permettre aux équipes éducatives de s'appuyer sur des connaissances solides issues de travaux d'experts. L'UNESCO est justement à l'origine de l'écriture d'une histoire générale de l'Afrique, comme il a été rappelé, en plusieurs volumes rédigés par des centaines de spécialistes. Présentée dans la prochaine vidéo, elle sera suivie d'une prise de parole de Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO.
Africa's history unfolds across centuries and radiates far beyond the continent, especially through its diasporas. For Africans and Afro-descendants, knowing their history means celebrating their shared heritage and better preparing for the future. Diasporas are a living extension of Africa. In the Americas alone, more than 200 million people identify as Afro-descendants. Millions more live in the region of the Indian Ocean, the Middle East, and Europe. UNESCO launched the General History of Africa in 1964 to educate young people in Africa and its diasporas about their past and their shared identities. This program offers another vision of history, freeing it from national narratives and identity claims. The General History of Africa has recently introduced the notion of Global Africa. This concept redefines relations between Africans and Afro-descendants as a continuous and dynamic process. In spite of challenging periods in its history, African cultures have not only resisted, they have reinvented themselves, and they continue to flourish in contact with the world. Global Africa emphasizes the diversity of African presence in the world and its multifaceted contributions to human progress, philosophy, literature, religion, art, music. But Africa and its diasporas also share common challenges such as the marginalization of young people, discrimination, and the struggle for human rights. Global Africa offers a new vision for an African renaissance on a global scale and the construction of a 21st century Pan-Africanism. How is Global Africa changing the perceptions of the connections between Africa and its diasporas? How can this concept anchor Africans and Afro-descendants' efforts to overcome the challenges of the 21st century? How can we enhance and promote the cultural legacy of Africa and its diasporas? Monsieur le ministre, cher Jean-Michel Blanquer, mesdames et messieurs, chers amis, je suis très heureuse d'être avec vous dans cette cérémonie qui s'inscrit dans le lancement de la saison Africa 2020-2021, construite entre la France et les États du continent africain. Et dans le cadre de cette initiative, je suis très heureuse que la France devienne le premier pays non africain à proposer à ses enseignants les contenus de l'histoire générale de l'Afrique qui a été préparée par l'UNESCO. Et ainsi reconnaître toute l'importance pour les pays africains, mais aussi pour l'ensemble des pays du monde, de ces volumes qui retracent l'histoire de l'ensemble du continent africain, de l'Antiquité à nos jours. Je voudrais citer un grand professeur, le professeur burkinabé Joseph Kizerbo, l'un des 39 membres du comité scientifique de l'histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Je le cite, « À moins que l'on ne choisisse de vivre dans un état d'inconscience et d'aliénation, on ne peut pas vivre sans mémoire ou avec la mémoire de quelqu'un d'autre. » Et c'est cet esprit, cet objectif, au lendemain des indépendances africaines, que l'UNESCO s'est engagé auprès des États africains pour relever ce défi d'écrire une autre histoire de l'Afrique. Une histoire qui soit chorale, plurielle, écrite notamment par les historiens du continent, et surtout délestée des préjugés ou des stéréotypes qui avaient cours. Pour raconter autrement cette histoire, pour la raconter mieux, il fallait découvrir et penser de nouvelles sources, avec de nouvelles archives écrites, sans se contenter des récits et des témoignages venus de l'extérieur, mais aussi de nouveaux éclairages des sciences, de l'histoire, de l'archéologie, par l'utilisation aussi des sources orales, ces parchemins de la mémoire africaine, comme le disait un autre grand homme qui s'est beaucoup exprimé à l'UNESCO, Amadou Ampateba, en 1960, en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est aussi l'exploration des langues qui nous montre une fois de plus que la diversité linguistique est une richesse unique qu'il faut préserver. Alors cette histoire de l'Afrique, c'est une histoire du continent, mais c'est aussi une histoire universelle, une histoire qui nous dit les origines de l'humanité, une histoire qui nous fait mieux connaître des civilisations rayonnantes comme l'Égypte antique, comme l'Empire Aksumite, comme l'Empire du Mali, comme le Grand Zimbabwe, des cultures qu'il faut connaître, des cultures en mouvement perpétuel qui étaient alors au carrefour des mondes et qui nous sont parvenues à travers les migrations, les échanges, et c'est un héritage qu'il nous faut tous connaître. C'est aussi une histoire
de deuil, de déportation, qui se ramifie aux Caraïbes, en Europe, en Asie. Et c'est une histoire, enfin, qui fait œuvre de paix, parce qu'elle nous fait décentrer les regards, elle nous apprend à respecter l'autre, elle nous apprend à tisser les fils de la solidarité de l'humanité. Et pour que ce travail porte tous ses fruits, ce travail scientifique, académique, il nous faut aussi l'emmener dans les salles de classe, en Afrique bien sûr. Et je me réjouis que 14 pays d'Afrique aient à cet égard déjà annoncé leur intention d'intégrer cette histoire générale de l'Afrique dans leur programme scolaire. Mais aussi dans les pays non africains, car apprendre plus sur l'Afrique, c'est aussi apprendre à se connaître pour les autres pays. Je voudrais donc remercier et féliciter la France qui montre la voie vers cette intégration dans la pédagogie de l'histoire générale de l'Afrique à travers le développement de fiches, de contenus pour les enseignants grâce au réseau Canopée, si utile aujourd'hui, ce réseau Canopée que je salue également. Je me réjouis aussi que la France soit prête à partager ses fiches à tous les enseignants d'Afrique et du monde, et c'est bien cet esprit d'échange, de dialogue qui est au cœur de l'histoire générale de l'Afrique et plus fondamentalement de cette belle maison qu'est l'UNESCO. J'espère que cet exemple pourra inspirer d'autres pays et que l'histoire générale de l'Afrique informera largement les programmes scolaires du monde entier. Et c'est ainsi que, sur le fond, nous permettrons un autre regard sur l'Afrique pour apprécier à juste valeur toute sa contribution, passée et présente, à l'humanité. Je vous remercie. Nous remercions Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO. De cette précieuse source documentaire qu'est l'histoire générale de l'Afrique, il a été décidé de la transformer et de l'adapter en contenu scolaire. Pour cette création pédagogique, un comité scientifique international a été mis sur pied et présidé par l'historien congolais Eli Kiambokolo, qui a souhaité également témoigner de son travail. Je m'appelle Eli Kiambokolo. Je suis d'origine congolaise, la République démocratique du Congo. Pour ne pas étudier seulement leur propre histoire, les pays africains ont été parmi les premiers à demander que l'UNESCO fasse de ces gros livres de 800, 1200 pages des outils adaptés aux écoles. Donc des manuels, pas des livres savants, des manuels que des jeunes gens de 8 ans, 10 ans ou des collégiens de 15 ans peuvent lire, utiliser dans les écoles et utiliser pour les examens. Donc tous les pays membres de l'UNESCO, c'est-à-dire le monde entier, ont voté pour. Ce travail est disponible gratuitement, donc les volumes sont découpés comme en histoire, de manière chronologique. Donc, pour les jeunes gens qui étudient les plus vieux empires, on peut trouver, pas seulement les données, les dates, et ça, mais surtout, on peut trouver la démarche et l'esprit. C'est l'idée qu'il faut étudier le maximum de peuples, pas simplement pour les connaître, mais pour savoir qu'est-ce qui fait que les humains sont des humains. Donc, ça veut dire aussi que l'enseignement de l'histoire change et les connaissances requises changent aussi. Donc, on peut ne pas savoir très bien quand a vécu Alexandre le Grand, quand a vécu le Roi Soleil, etc. Parce que c'est pas ça le plus important. Le plus important dans l'enseignement de l'histoire, c'est, en somme, de rendre les hommes individus, de rendre les hommes sociétés chaque fois plus humains qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc c'est une vision qui est très proche de la philosophie. Utiliser l'histoire générale de l'Afrique aura pour premier effet de passionner les enfants. Parce qu'ils vont entendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Et voir que les autres ont fait comme nous, ou les autres ont fait mieux que nous, ils ont fait plus tard que nous, ou ils ont fait ça longtemps avant nous. Donc ça aide à être modeste,
parce qu'on a on trouve toujours mieux que soi, mais ça aide aussi à être ambitieux. Donc, échanger et voir que, en fait, aucun pays, aucun peuple, aucune civilisation n'a fait des choses seulement pour elle et contre les autres. Mais que, en fait, on a toujours fait pour échanger, faire mieux et faire avancer l'humanité dans un sens toujours plus vigoureux et toujours meilleur et toujours plus fécond. Bien, merci à tous. C'est vraiment extrêmement édifiant d'entendre chacune des interventions. On voit bien l'intérêt et l'élan qui résulte des démarches qui ont été entreprises. Et je pense qu'on peut passer maintenant à la suite de notre séquence. Mais merci déjà à ceux qui sont intervenus et parce que c'est tout converge dans la même direction, c'est-à-dire une meilleure connaissance de l'Afrique. Merci, Monsieur le Ministre. Comme il a été rappelé dans les différentes interventions, une véritable dynamique s'est mise en place autour du projet Africa 2020 dans toutes les académies et autour de projets remarquables. Nous vous proposons de prendre maintenant connaissance du projet porté par le lycée professionnel Elisa Lemonnier de l'Académie de Paris dans une courte vidéo réalisée par Réseau Canopé. L'Afrique qui innove, c'est en fait l'Afrique qui simplement se réapproprie sa culture. L'Afrique moderne, c'est pour moi, c'est de montrer toutes les beautés africaines qu'il y a à travers chaque pays et chaque continent. Ils se modernisent, même s'ils gardent ce que leurs ancêtres leur ont appris. Je trouve ça très fascinant. Ça casse un peu le truc. On s'est tout de suite posé le problème de la pollution textile, quelle forme prenait la pollution textile en Afrique et surtout comment on pouvait y remédier aujourd'hui, quelles étaient les solutions, quelles étaient les innovations. Et du coup, c'est vrai que nos élèves, là, on leur demande de se mettre dans la position des teinturiers en Afrique parce qu'ils utilisent les ressources qui sont autour d'eux. Et nous, c'est ce qu'on aimerait reproduire avec nos élèves, donc en passant par la teinture végétale et pour qu'elles créent leur propre tissu. Utiliser le même bain. Moi, j'interviens essentiellement sur la teinture végétale puisque les sciences ont une part importante dans la teinture végétale. Toutes les teintures vont être donc faites à base de produits de récup maison. Donc il y a des pelures d'oignons, des pelures de chou rouge, etc., de marc de café. Donc tout ça, on a fait un appel au lycée justement pour que tous les collègues et élèves puissent nous ramener tous leurs déchets pour réaliser ces teintures. En fait, rien qu'à travers un vêtement, on peut montrer à quel point le continent africain a une puissance mais incroyable qu'on sous-estime énormément. Nous saluons ces élèves du lycée Lemonnier qui nous suivent en direct ainsi que les équipes éducatives qui nous ont fait savoir qu'elles nous regarderaient de bon matin aux Antilles, en Guyane. Et enfin, merci aux élèves qui, à travers l'enseignement français à l'étranger, nous suivent en Afrique et partout dans le monde. Comme vous le savez, cette saison est dédiée à la jeunesse, mais également aux femmes. Et c'est pourquoi plusieurs ambassadrices accompagnent le volet éducatif de la saison. Nous avons écouté Jaili Amadou Amal, prix Goncourt lycéen 2020, et nous vous proposons trois autres témoignages d'ambassadrices. Bonjour, je suis Estelle Yoka-Mosseli, boxeuse professionnelle et championne olympique et championne du monde de boxe. Je m'appelle Sofiane Brabé, je suis avocate spécialisée en fintech. Bonjour, je m'appelle Béa Gilgacha, je suis artiste plasticienne. Mon lien avec l'Afrique est d'abord un lien maternel, familial, qui par la suite est devenu un lien artistique, culturel, spirituel. J'ai un rapport à l'Afrique qui est d'abord sentimental, étant franco-marocaine. J'ai un rapport à l'Afrique qui est aussi professionnel, car j'aide les sociétés innovantes notamment, à s'implanter sur le continent. J'ai deux origines différentes, de deux continents différents, donc une maman qui est ukrainienne, origine européenne, et puis forcément un papa qui est congolais, République démocratique du Congo. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi, je suis enfin allée sur le territoire, et ça m'a énormément enrichie personnellement.
mon rôle d'ambassadrice pour le volet éducation de la saison Africa 2020, ça représente énormément pour moi. C'est l'occasion de diffuser, d'ouvrir, d'émerveiller la jeunesse. Et donner aussi envie aux gens de comprendre mieux l'Afrique, de découvrir les talents qui existent et les richesses qui existent en Afrique. En tant qu'ambassadrice, j'aimerais véhiculer une image du continent africain qui reflète la réalité et non plus les idées reçues. Je constate notamment dans mon cadre professionnel que les pays africains sont extrêmement rapides et efficaces dans l'adaptation aux nouvelles technologies. Donc je vois l'Afrique, ce continent en tout cas, étant un acteur incontournable et surtout remarqué dans le domaine de l'innovation. Pour le futur, j'imagine une Afrique verte, une Afrique qui est un guide quant aux préoccupations environnementales. J'aimerais qu'à l'issue de la saison Africa 2020, on puisse reconnaître les cultures africaines, que les diasporas soient fiers de leur héritage et qu'on reconnaisse la créativité de ce continent. Parfois, même en ayant les origines africaines, on ne les connaît pas assez. Donc voilà, moi c'est ce que j'aimerais en tout cas, que les personnes qui n'ont pas forcément d'origine aillent à la rencontre de l'Afrique et les personnes qui ont des origines s'y intéressent davantage. Merci à nos ambassadrices encore pour ces témoignages. Le ministère a souhaité, dès son implication, soutenir la mobilisation des équipes éducatives. Dans cette perspective, d'importants partenariats ont été mis en œuvre, comme avec Radio France sur le projet de chant choral « L'Afrique à chanter ». C'est dans ce cadre, et M. le ministre l'a rappelé, qu'est né le projet éditorial avec les éditions Milan Presse autour d'un numéro spécial du journal Jeunesse « Un jour, une actu », actuellement distribué dans toutes les classes de CM2 de France grâce au soutien du comité des mécènes de la saison Africa 2020. Ce projet nous est présenté tout de suite par Madame Marie-Anne Denis, directrice générale des éditions Milan Presse. Bonjour. Milan, c'est une maison de presse éducative jeunesse qui propose des magazines pour les enfants de 0 à 15 ans avec deux ambitions: les aider à apprendre l'autonomie et également les ouvrir au monde qui les entoure. Nous avons un magazine qui s'appelle Un jour une actu, qui est dédié aux enfants de 8 à 12 ans et qui est un magazine d'éducation aux médias et à l'information. Nous sommes heureux et fiers d'être associés à Africa 2020 en diffusant en 1 200 000 exemplaires, donc à tous les élèves de CM2 de France, ce numéro spécial Africa 2020 que je vais vous présenter. Vous avez à l'écran la une de ce magazine avec une illustration du dessinateur Jacques Azam que les enfants connaissent bien puisque c'est lui qui dessine les épisodes d'Un jour une question. Cette illustration met en valeur le dynamisme et la jeunesse de l'Afrique et se veut une invitation à célébrer Africa 2020 pour tous les élèves de CM2. Quand on ouvre le magazine, en pages 2 et 3, on va trouver un rappel des projets pédagogiques mis en œuvre dans le cadre d'Africa 2020 avec la mise en exergue de 3 projets qui ont été labellisés pour inspirer les classes qui vont vouloir travailler sur Africa 2020. Puis, en bas de ces 2 pages, vous avez des brèves avec une bibliographie et un quiz pour aller plus loin. Ensuite, quand on déplie le magazine, on va trouver en son centre un poster qui est une carte de l'Afrique très riche, très colorée, qui met en valeur des innovations ou des projets dans le domaine des arts, des sciences et de la culture pour témoigner de tout le dynamisme de l'Afrique. Puis, pour terminer, sur la dernière page, nous allons trouver une BD. Cette BD, elle a pour particularité d'avoir été écrite en coopération par... Elle a un bug de connexion. Est-ce qu'on lance la vidéo? Non. On a eu le bug de connexion chez... Alors juste pour vous dire rapidement, si on est là tous aujourd'hui, c'est parce qu'on a un travail vraiment important à faire.
Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tout ce que vous allez vous dire d'une classe à l'autre aujourd'hui va être recueilli par Marie, qui va en faire une vidéo, un jour, une question. À quelle heure commence l'école? À quelle heure finit l'école? Tous les jours, on commence à 7h45. Je ne peux pas me lever à 7h. Quel sport pratiquez-vous? De la course à pied, on fait de la piscine, on fait du volleyball, on fait du tennis de table. Quel est votre jeu préféré? J'ai deux jeux préférés. Un qui s'appelle Fortnite. Est-ce qu'il y a des serpents venimeux? Oui, il y a des serpents au Sénégal, il y en a des venimeux. Qu'est-ce que vous préférez dans votre pays? Ce que je préfère au Sénégal, c'est qu'on mange beaucoup, et moi j'aime bien manger. Avez-vous déjà vu la neige? Est-ce que vous pouvez acheter vos vêtements ou il faut que vous les fabriquiez? Comme vous avez des grands terrains de sport. Est-ce qu'il y a actuellement de la neige à Toulouse? Quel est votre plat traditionnel? Dans ma famille, des fois, y en a qui mangent des escargots. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait beaucoup de différences entre votre école et leur école? Si. Ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi vivre en Afrique aujourd'hui? $1,2 milliard d'habitants, soit un terrien sur six, vit en Afrique en 2020. L'Afrique est un vaste continent composé de 54 pays, avec au moins autant de façons de vivre. Pour ne pas faire de généralité et tomber dans les clichés, ce sont des élèves de CM2 du lycée Mermoz à Dakar au Sénégal qui ont répondu à la question. C'est quoi la vie d'un enfant à Dakar aujourd'hui? Les enfants sénégalais vont en majorité à l'école publique, qui est gratuite. Les autres vont à l'école privée, qui, elle, est payante. À cause du coronavirus, la moitié des élèves sont en classe. Les autres font l'école à la maison. Nous faisons du basket, du tennis de table, de la course à pied. Nous mangeons beaucoup de plats à base de riz, d'oignons et de poissons, et aussi des pizzas. Certains élèves ont déjà un téléphone portable, mais pas tous. Notre classe travaille sur tablette. À la maison, nous jouons aux jeux vidéo. Nos jeux préférés sont Fortnite ou Roblox. On achète nos vêtements dans les boutiques en ville, mais on peut aussi aller chez le tailleur qui nous coud des vêtements sur mesure. Voilà. Chaque année, nous partons en classe de découverte dans une réserve pour observer les oiseaux migrateurs. À bien y regarder, la vie des écoliers de Dakar et celle des enfants en France se ressemblent beaucoup. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond. Le journal Un jour une actu est distribué en ce moment à tous les élèves de CM2. Et il y a bien d'autres projets réalisés par le ministère, dont un documentaire sur des réalisatrices africaines, avec comme partenaire la Ligue de l'enseignement, et un autre très beau projet avec les éditions RETS, pour les enseignants de maternelle qui pourront travailler des compétences de petite, de moyenne et de grande section de maternelle à travers la découverte d'artistes contemporains africains. Ces deux projets d'édition, que nous avons pilotés du pôle Africa 2020 du ministère, ont été possibles grâce au comité des mécènes, et à l'appui de la commissaire générale, Madame Gonéphale, qui a permis à l'éducation d'être au cœur de la saison Africa 2020. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous et de participer au lancement de la saison Africa 2020 dans l'éducation nationale. Cette saison effectivement hors norme qui regroupe un pays plurilingue, multiculturel dans les arts, les sciences, l'entrepreneuriat repose sur trois piliers dont un pilier principal qui est justement la diffusion des connaissances puisque cette saison a été conçue comme une plateforme collaborative de production et de diffusion de savoir et de connaissances, une saison dédiée à la jeunesse et le pilier principal est l'éducation. Avec des projets, avec des établissements d'enseignement supérieur,
comme la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, ou Sciences Po à l'école Sciences Po à Reims, ou l'école La Fémis ou l'école Dupéret à Paris. Les projets qu'on a également avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, qui pour moi est un partenaire stratégique, et je suis ravie que le ministère ait accepté de relever ce défi quand je suis allée toquer à leur porte. Je remercie également l'UNESCO qui a répondu présent dès 2018 quand je suis allée les voir pour leur demander comment est-ce qu'on pouvait justement valoriser les volumes de l'histoire générale de l'Afrique et mettre à la disposition de la France ces outils pédagogiques et d'avoir une fois où on a toujours un continent dont on dit qu'il faut l'aider, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas d'écriture. Là, c'est le continent africain à travers ces volumes qui offre une partie de son corpus de savoir à la France. L'éducation est le projet sur le long terme par rapport à cette saison qui a une durée limitée. Le chantier a commencé en fait dès les rendez-vous de l'histoire à Blois en octobre. Et donc, il y a plusieurs volets, comme Monsieur le ministre l'a rappelé, dont enseigner l'Afrique, qui est un projet sur le long terme. Les partenariats qui ont été noués entre les classes et les écoles de part et d'autre de la Méditerranée sont des partenariats sur le long terme. Et donc, le pari qu'on a fait avec cette jeunesse, c'est justement les changements de mentalité, de regard, dès la petite enfance, dès la maternelle, travailler avec des autres, aborder les mêmes sujets, réfléchir ensemble, échanger. Je pense que c'est comme ça, de part et d'autre, qu'on peut se délester des clichés qui nous encombrent et aller de l'avant. Donc cette saison, elle démarre là, en ce mois de janvier, avec ce volet éducation, la saison ayant déjà démarré au mois de décembre. Et comme Monsieur le ministre l'a également rappelé, il y a d'autres chantiers par rapport à l'éducation. Il y a notamment 11 volontaires africains qui ont intégré des structures partenaires de la saison Africa 2020, essentiellement des pays francophones, mais on a aussi une volontaire du Ghana qui ne parle pas un mot de français et qui va intégrer la condition publique. Et l'idée, c'est justement de permettre à ces jeunes du continent africain de participer à la saison de manière concrète et de demander à ces structures qui les accueillent de prendre la responsabilité, de faire un travail de mentorat et de transfert de compétences, de savoir, de savoir-faire dans le domaine de la médiation, mais pas uniquement. Et donc, ce volet a été possible grâce à l'AFD, à France Volontaire et à la mission du service civique. Et le tout, évidemment, porté par l'Institut français qui est l'opérateur de cette saison hors norme. Donc, je vous remercie tous. Je suis ravie de ce partenariat. On va, j'espère, pouvoir se voir en vrai, échanger, rêver et vous accompagner jusqu'au bout en sachant que pour vous, ce n'est que le début et qu'il n'y a pas de fin et que tout ce travail de fond entamé avec l'Afrique, comme je l'ai dit, est un travail sur le long terme. Je vous remercie. Merci, cher Ngoné, pour vos mots qui annoncent une belle réussite de la saison Africa 2020 dans l'éducation nationale. Et au terme de cette cérémonie, nous souhaitons remercier l'ensemble des participants, personnalités impliquées dans la saison, les services du ministère mobilisés dans la réussite de cet événement original et majeur, comme il vient d'être rappelé, l'ensemble des académies et des équipes éducatives, ainsi que leurs partenaires engagés tout au long du calendrier de la saison. Nous remercions enfin l'ensemble des personnes qui ont assisté ce matin à cette cérémonie de lancement de la saison dans l'éducation nationale, enseignants, élèves de France métropolitaine ou ultramarine en particulier. Donc, cérémonie qui est à retrouver sur la page Africa 2020 du site education.gouv.fr.